L'athlète, j'ai commencé au collège avec l'UNSS. C'est un prof de sport qui m'y a emmené. Et l'athlète en club, c'est arrivé avec justement une compétition, un cross UNSS, où j'ai gagné une participation au cross FFA. Et je fais troisième en Benjamin du cross régional FFA. Et c'est là que Moustache a pris mes coordonnées, les coordonnées de mon père, et j'ai commencé comme ça l'athlétisme. J'ai fait mon année de Benjamin, mes deux années de minime, et en cadet 1, un mois avant les France, j'étais pas qualifié sur demi-steeple. J'avais fait quelques épreuves de marche avant. J'avais dit la première fois plus jamais, parce que j'avais eu trop mal aux jambes, quoi. C'était affreux. Et donc là, cette année-là, en cadet, Moustache me dit t'as des qualités en marche, sur demi-steeple ça passera pas, il me l'a dit clairement, il était franc. Et donc du coup j'ai commencé à faire des plans de Lumna Hassen, qui est ma coach actuellement de marche. Et donc je me suis qualifié aux France et j'ai fait 7e au pré-championnat de France avec 3 semaines d'entraînement. Donc du coup c'est parti comme ça, j'ai continué. J'ai juste fait les 5000 d'interclub, à chaque fois j'avais battu mon record. Et Moustache m'a fait continuer aux interrégionaux, il m'a fait marcher. J'avais encore battu mon record et c'est là qu'il m'a dit, parce que j'avais fait le 2000 steep la veille, je ne m'étais pas qualifié. Et sur le 5000 marche, j'avais encore battu mon record, mais je n'étais pas encore qualifié. Il m'a dit, bah, t'es pas loin, t'as des qualités, on va essayer sur la marche. Les 3 semaines avant le championnat de France, j'allais m'entraîner. J'avais une semaine avant ma dernière compétition pour me qualifier au championnat de France. J'allais m'entraîner coup-ci, coup-ça, parce que pour moi, par chez moi, c'était la honte quoi, de marcher. Je ne voulais pas. Je me suis qualifié quand même, je fais 7e. Et l'année d'après, je me suis mis 90% on va dire, parce que je faisais encore les crosses et j'ai fait quelques courses estivales, mais sinon ouais, j'étais totalement dans la marche. La progression, ben, c'est arrivé très vite. Dès l'hiver, je fais vice-champion de France en salle cadet. Et bon, l'été, pas de chance, je finis la course deuxième, mais je me fais disqualifier après la ligue. Du coup, j'ai rien l'été à part un bon chrono. La première saison, je ne savais pas que j'allais faire de si grosses performances. Donc l'entraînement, ça s'est bien passé. Je voyais que ça se passait de mieux en mieux, que les gens me répondaient mieux, j'avais moins, ça tirait moins. Et après, dès la première compète, quand j'ai vu que j'ai fait des bonnes performances, déjà j'étais encore plus content. Et ensuite, on apprend à apprécier, parce que ça devient comme de la course en fait. On apprend à apprécier l'entraînement comme entraînement de course. On n'a plus mal aux jambes et pas essoufflé, ça devient naturel quoi en fait. Au début où j'avais honte, donc je m'entraînais un coup-ci coup-ça, puis après déjà sur le stade, on n'avait pas une mauvaise image. Sur un stade d'athlétisme, on n'a pas une trop mauvaise image déjà à l'origine. C'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé, ça a fait bizarre à ceux avec qui je m'entraînais, mais ils s'y sont vite fait. Après, plus ça allait, en fait, plus moi je me sentais bien dans ma technique, on va dire. Moins j'avais honte parce que je savais que j'allais aussi vite, voire plus vite que certains coureurs quand j'allais marcher sur le bord de la plage au sable. Et après, c'est. On va dire que c'est Johan Diniz qui a fait que ça devient vachement connu et du coup les gens, il y a toujours quelques petits sourires de temps en temps, mais il y a un regard maintenant, c'est quasiment un regard admirateur et compatissant par rapport à l'effort qu'on fait. J'ai eu quelques fois des gens quand je marchais, qui me disait allez Johan, juste parce que enfin ils ne connaissaient pas, mais ils connaissent le nom du Johan Diniz, donc c'est gentil. Maintenant, il commence à y avoir un meilleur regard sur la marche qu'avant. En marche, il n'y a pas vraiment de tactique, c'est plus, il faut donner le meilleur de soi quasiment tout le temps. Quoi. Surtout à notre âge, les tactiques, c'est surtout dans les plus hauts niveaux, quand ils sont tous à peu près dans le même chrono. C'est des tactiques, il faut attaquer plus ou moins tôt dans la course. Mais à notre âge, c'est plus, il faut donner le meilleur nous-mêmes et faire le meilleur chrono possible. J'ai jamais eu vraiment de problème technique, donc
je dirais quand même il y a la technique, garder la technique tout en étant dans la difficulté de l'effort. C'est assez compliqué, il faut continuer à pousser vers l'avant et pas vers le haut pour ne pas être en suspension. Après, le compliqué, c'est l'effort. On a vite mal aux jambes dans un effort de marche et il faut le garder longtemps. Quoi, en fait. C'est ça, je dirais que c'est ça le plus compliqué, c'est qu'il faut se faire mal longtemps. Je suis allé à Lyon parce que Lubna, ma coach, est à Lyon. Donc ça me change niveau organisation avec l'université, c'est juste que je suis plus loin que si j'étais à Nantes. Sinon, ça ne me change pas grand-chose. Les entraînements, je m'entraîne 6 à 7 fois par semaine. Comme je suis au pôle de Lyon, donc j'ai droit aux installations où je peux m'entraîner à la salle de Lyon, donc l'hiver, parce que c'est bien pratique quand il pleut ou qu'il fait froid. Comme j'étais pas sur la roche, pour venir m'entraîner plus souvent, je venais en stage et je dormais chez lui, chez ses parents. Et donc du coup, on était devenus assez proches, on se voyait souvent, c'était un beau copain, quoi. Et puis dans l'entraînement, je commençais au fil des années, je commençais à m'entraîner quasiment sur les mêmes allures que lui, à part sur les séances plus compliquées. Et donc du coup, on était quasiment tout le temps ensemble. Donc on a eu une relation assez proche amicalement. Les échéances futures, ça va être la Coupe d'Europe où je suis. La sélection n'est pas encore tombée, mais je suis convoqué au stage préparatoire. La sélection, il la donne à la fin du stage. Donc c'est le week-end du 17 mai en Espagne. Et l'objectif principal de la saison, ça serait de me qualifier pour les championnats d'Europe. Ça se déroulerait du 16 au 19 juillet en Suède. L'objectif déjà, c'est de faire moins de 43 minutes pour aller aux championnats d'Europe. Après, ça va être se rapprocher le plus possible, de doubler mon temps sur 5000, donc se rapprocher des 42 minutes. Et le top, ça serait de faire un top 8 au championnat d'Europe cet été. Yeah.